Attention, dans quelques instants, début des opérations. C'est Eric Hensé et c'est un véritable honneur pour moi de vous proposer cette interview exclusive de Yannick Chevalier dans l'émission Fan de Funk. Pour moi, et comme pour beaucoup de disques jockeys et d'animateurs de radio, Yannick Chevalier est la référence du jingle en France et en Europe. Il a débuté dans les années 80, à l'époque des premières radios libres en France. Yannick Chevalier est un créatif. Ses productions ont marqué le milieu radiophonique de la FM. On y reviendra. Qui ne connaît pas notre Mister Jingle National ? Yannick Chevalier a produit une quantité impressionnante d'éléments sonores pour dynamiser et personnaliser les émissions de radio. Sa voix est l'une des plus populaires sur la FM. Yannick a tout, une voix chaude, dynamique et charismatique, un feeling, un style bien à lui. De plus, il a su anticiper les modes, c'est un passionné et un mordu de travail. On lui doit plus de 26 albums, plus de 5000 jingles, bruitages, musique et effets sonores en tout genre. Ce n'est pas tout. Il y a aussi les radio shows comme le World Music Show, Transamerica et Magic Show. Dans le domaine de la création sonore, Yannick Chevalier est un maître pour moi. Une personnalité hors norme qui a une vision du métier très professionnelle. Avant d'écouter l'interview, on va se plonger dans l'univers sonore de Yannick Chevalier. Voici un mix de jingles cultes qui vont, j'en doute pas, vous rappeler la bonne époque des radios libres des années 80. Place à présent à ces bons souvenirs. Et on se retrouve juste après avec notre invité, The King of the Jingle, Yannick Chevalier. Ok, let's go. Attention, attention. Je m'appelle Yannick Chevalier. The Disc Jockey. Mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. The best music. Bonsoir à toutes et à tous. Prenez la cadence. More music now. Quel pied. Vous écoutez la super radio. Chouchou. Dynamite. La musique continue non-stop. Gardez l'écoute. Oh, c'est une exclusivité. Je suis content pour vous. Vous l'écoutez pour la première fois. Jeune. Exclusive. Et dynamique. La FM. FM. En liberté. Au cœur de la musique. Music Radio. Pourquoi s'en priver, puisqu'on peut l'écouter. Only the best music. Numéro 1 de tous les hits parades. Mais ce disque choqué m'éclate complètement. Hello, hello, DJ. Give me music. Machine. C'est dingue. Moi j'aime. Destination folie. Energy for good. La musique ici, elle est super. Le titre choc. Lycée, commandant, des traces sur les écrans radars. Ils attaquent. Souvenir. Ça, ce n'était. Lâchez les combats de laser. Listen to the music of the number one DJ. Magic, something magic. Vous avez perdu Magic Show. Le sens Magic Show de la réalité. En exclusivité. The show is about to begin. Calez-vous dans la musique de votre disque jockey. Affûtez vos tympans. Dance to the beat. Vous avez demandé la musique, ne quittez pas. Cool, cool, relax. Cool, cool, relax. C'est le week-end sur la bande FM. La super FM. Sur la bande FM. Bye bye soucis. Bonjour le grand air. C'est le week-end. Sur la bande FM. La super FM. Sur la bande FM. Relax. Ready, steady, go. Retrouvez Eric Hensé de Fan de Funk pour l'interview exceptionnelle de Yannick Chevalier. Super.
Salut Yannick, je suis ravi de t'accueillir dans l'émission Fan de Funk. Et voici la première question. Quel était ton métier avant de te lancer dans la production de jingles? Salut Eric. Je commence à travailler dans l'équitation, comme moniteur et cavalier de complet, de dressage et de CSO, ce qui veut dire saut d'obstacle, pour ceux qui ne savent pas. J'enchaîne ensuite comme conseiller financier dans deux banques successives, pas les deux en même temps. Et c'est au cours de mon parcours dans la deuxième banque que je décide de pratiquer professionnellement ma passion, qui est l'animation et la réalisation radio au format à l'américaine. C'est-à-dire que à cette époque-là, en France et en Europe en général, on travaille avec un animateur, un technicien et un réalisateur, et les Américains ont inventé le système du disc jockey, c'est-à-dire celui qui monte sur les disques et qui fait le réalisateur, l'animateur, le programmateur et le technicien. Donc je parle sur les intros, je fais comme eux, je mets en vedette les nouveautés avec des phrases un peu tonitruantes et j'illustre le tout avec évidemment des jingles. Dans quel contexte as-tu commencé ton activité de créateur de jingles? Pour répondre à cette question, je dois faire un peu d'histoire. Je commence très tôt, mais alors vraiment très tôt, à aimer l'animation. À 4 ans, déguisé en magicien au cours d'une après-midi costumée et dansante pour les enfants, je suis dans un casino municipal et l'animateur demande à tous ces petits bonshommes pétrifiés de venir danser sur scène. Je suis le premier à monter et en frappant dans les mains, j'encourage les autres à me rejoindre avec les félicitations. Eh ouais. De l'animateur et les applaudissements, ça c'est encore mieux, du public. Voilà, ça vous forme un cabot ça. Tout au long de mon enfance, j'écoute la radio. C'est ma passion, j'adore la radio. Ce monde imaginaire où on peut poser toutes les images qu'on veut. Un de mes amis me fabrique à l'époque un poste à galène qui fonctionne sans énergie, ça c'est génial. Je le cache sous mon oreiller et j'écoute comme ça longuement des stations de radio qui sont pas très très loin du coup avec le poste à galène. C'était une pomme de terre dans laquelle il y avait du fil qui était planté. Enfin, c'était un truc complètement magique. Puis après, durant ma carrière équestre, je fais pas mal de films. Je les monte, je les sonorise. Et évidemment, pour les sonoriser, je les illustre avec ma voix, avec de la musique, des effets sonores. Et je glisse quelques jingles. C'est certainement là que j'ai fait mes premiers jingles. Il faudrait que je fasse une petite recherche. C'est l'époque où je suis aussi en permanence à l'écoute des radios pirates que j'ai découvertes et qui émettent depuis leur bateau. C'est une époque magique, vraiment. Ah oui, tout à fait. Et de quand date ton premier disque? J'ai créé mon premier LP de jingles en 1979 et je l'ai présenté au Discom de cette année-là. Il y a toute une histoire d'ailleurs à raconter quand on aura le temps. Enfin, basiquement, j'ai pratiquement pré-vendu l'album avant qu'il ne sorte. Il suffisait que je dise aux gens que j'allais sortir mon album et ils l'achetaient. Et l'intégralité de ces achats m'a permis d'apporter le capital de la société que j'ai créée pour les vendre après, qui est la société Point 12, qui est devenue la société de post-production qu'on connaît à Paris, dans laquelle il y a 5 studios maintenant d'audiovisuel. Et plus précisément, d'où vient cette passion pour les jingles? Est-ce qu'il y a un rapport avec ces fameuses radios offshore au large de l'Angleterre comme Caroline, RNI, Veronica? Quels sont les artistes ou les productions qui t'ont inspiré? J'écoute toutes ces radios et je suis scotché par un animateur, par un DJ d'ailleurs, parce qu'animateur, c'est tout petit à côté. C'est le président Roscoe qui est sur Caroline et ensuite sur RTL où il devient l'empereur Roscoe. Il est pour moi le déclencheur. Je lui ai rendu hommage il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook, la page qui s'appelle Jingle Yannick Chevalier, pour ceux qui veulent aller la voir. J'ai travaillé avec des tonnes d'Américains, particulièrement avec les gens de Dallas avec qui j'ai produit des albums, avec des voix superbes, des réalisations très riches, avec beaucoup de cuivre, de percussions. Mais jamais un seul n'a détrôné à mes oreilles Roscoe. C'est vraiment la référence. À l'époque aussi, j'écoute les Stones, les Beatles, les Who, Pink Floyd, Woodstock et Roscoe. Je m'abreuve et je me nourris de tout ça. C'est ce qui m'a fait. Je trouve personnellement que le succès de tes jingles est en partie lié à l'expression d'une forte créativité. Comment travailles-tu pour trouver les idées et quelles sont tes sources d'inspiration? Ça, c'est une question qu'on me pose très souvent et qui est particulièrement douloureuse pour moi parce que je n'ai pas réellement de réponse. Je n'ai ni secret, ni recette,
pour concevoir et créer un jingle. Pour moi, un jingle répond avant tout à une nécessité. Il faut informer, illustrer et annoncer. Quand le but du jingle est clairement formulé, quand j'ai réussi à me le formuler ou que le client me l'a formulé, alors là, je puise dans mes sources sonores, dans mon savoir-faire, le sound design, le montage, et j'essaie de partir sur des voies nouvelles sans jamais perdre l'essentiel qui est l'utilité du jingle et le message à délivrer. Je ne sais pas si ça peut servir de recette, mais je ne peux pas en donner plus. Comment naît un disque de jingles ? Est-ce que l'on peut comparer la production d'un disque de jingles avec celle d'une musique ? Un album de jingles, c'est un ensemble logique, en tous les cas en principe. Il y a par exemple dans mes productions des albums parlés, des albums chantés, des productions en anglais, des productions en français, des albums musicaux, d'autres de sound design et encore d'autres dédiés à l'animation radio, au dance floor ou même à l'audiovisuel. Autant d'utilisateurs qui sont proches mais en même temps très différents dans l'attente, dans la demande. C'est en répondant ou en imaginant les attentes d'un de ces secteurs que se crée la colonne vertébrale d'un album. Un album de musique pour un groupe, pour un chanteur, répond essentiellement à une inspiration, alors qu'un album de jingles comble un manque ou une attente. C'est l'outil qui manquait qu'il faut apporter. C'est un outil, voilà. Combien de collaborateurs ont participé au projet d'un 33 tours ? Alors ça, c'est très très variable. Ça peut aller de 1, je peux tout faire tout seul, à 20 ou 30 personnes, peut-être pas simultanément, mais sur l'album, oui. Parce que les métiers auxquels je fais appel sont, selon les projets, des voix parlées, des comédiens ou des voix off, des voix chantées, comme des choristes, des solistes, des arrangeurs, des musiciens, des bruiteurs. Je les associe à mon travail permanent de recherche sonore et de sound design. Le nombre de collaborateurs dépend du projet. Ne bougez pas. Eric NC et son invité Yannick Chevalier. Reviennent dans quelques instants. Le titre choc. Eyes of every
RKNC reçoit son invité Yannick Chevalier dans le programme Fan de Funk. Voici la suite de l'interview. Dans ce milieu de la production radiophonique, la création de jingles est un domaine très particulier. Quelles sont les qualités nécessaires pour réussir dans ce métier qui, par ailleurs, nous paraît très atypique ? Encore une question difficile. La principale qualité, à mon avis, d'un concepteur, réalisateur, producteur de jingles est de savoir analyser le besoin ou la demande du futur utilisateur. C'est cette synthèse qui est la base de la réussite. Et puis effectivement, après, il faut trouver la réponse. Il faut que ça soit une réponse brève, efficace, facilement reconnaissable et mémorisable. On peut constater que l'habillage des radios a fortement évolué sur ces décennies. Il s'en dégage de nombreuses tendances. On peut même comparer ce métier à celui de designer, puisqu'il s'agit d'un travail sur l'identité, sur l'image de marque. Es-tu d'accord avec cette comparaison ? Là, je suis 100% d'accord. Le jingle doit coller à l'image de marque du média qu'il illustre, ou même, plus fort encore, participer à la construction de l'image de marque de ce média. Qu'est-ce qu'un bon jingle personnalisé ? Un bon jingle personnalisé, c'est avant tout un signal clair, un signal intelligible, rapide, performant, qui communique efficacement le message, qu'est-ce qu'on a à dire, et qui a pour mission de faire connaître la radio, le DJ, le programme, et qui se glisse bien dans la programmation. Quels sont les jingles les plus difficiles à réaliser ? Tous les jingles sont difficiles à réaliser. Il faut innover sans dérouter, il faut rassurer tout en prenant souvent des options sonores risquées. Les jingles, évidemment, qui impliquent des équipes de musiciens, des comédiens et des voix-off, sont financièrement très risqués, et une erreur coûte cher en heures de studio et en salaire. Quand je travaille seul en utilisant ma voix, le risque financier est un peu plus maîtrisable. Mais bon, faire un jingle de deux mots ou faire une production musicale avec choriste musicien, ça implique la même difficulté. C'est pas la même nature de difficulté. On retrouve des jingles des années 80 sur des CD que l'on peut se procurer sur internet et surtout sur ton site web. Est-ce qu'il est toujours possible de faire appel à tes services ? Sur le site jingles.fr, on trouve toute ma production. Alors, il y a les collectors, ceux dont on parlait tout à l'heure, des premiers temps, les nouveaux albums, ceux qui sont sortis cette année, les jingles, les sound effects à l'unité, la page spéciale pour les commandes de jingles personnalisées. Il y a aussi le livre Profession DJ. Il y a les podcasts Magic Mix, qui sont des réalisations sur lesquelles je passe beaucoup de temps pour la recherche, les remixes, les bootlegs, les mashups, les edits. Le sound design et les jingles, évidemment. C'est pour moi comme des longs métrages sonores. Et vraiment, je tiens beaucoup à ces podcasts qui sont ma signature. Sur les réseaux sociaux, et suite à un message que j'ai posté justement à propos de cette interview, j'ai constaté que tu as suscité de nombreuses vocations et que tu étais toujours très apprécié, même considéré comme la principale référence de fabricant de jingles. Tu as pu suivre les modes et même les anticiper. Est-ce que cela en est la principale raison ou est-ce une question de style ? Je me suis dans un premier temps inspiré des radios américaines et, comme je l'ai dit, de Roscoe surtout et de ses complices. J'ai, je l'espère, assimilé et digéré cette énergie. J'y ai ajouté mes goûts et mes concepts. Je passe aujourd'hui, comme je l'ai toujours fait, des heures et des heures en recherche sonore et en sound design. Ce sont les DJ, les radios, les télés, tout l'audiovisuel, qui trient, c'est eux qui choisissent et qui utilisent mes productions. C'est donc eux qui décident qui je suis. C'est toujours compliqué, c'est quelquefois douloureux, mais c'est essentiellement passionnant. Voilà. Merci Eric de cet intérêt pour mes productions et longue et belle vie à ce fabuleux fan de funk. Merci Yannick pour cette interview. Attention, le moment est venu de se dire au revoir. C'était Yannick Chevalier. C'est fini. Merci d'avoir vibré avec nous et à très bientôt. Salut. Merci beaucoup pour votre attention. Toute l'info est à retrouver sur le site fandefunk.com avec le podcast de l'interview. Une fois de plus, merci à Yannick Chevalier de m'avoir accordé cette interview. Pour en savoir plus, visitez le site officiel de Yannick Chevalier, www.jingles.fr. Merci à Vincent Vanden pour son étroite collaboration. Start.
Retrouvez l'interview d'Eric Hensé avec son invité Yannick Chevalier. Yannick Chevalier. Sur le site officiel de l'émission, fandefunk.com. fandefunk.com.